Les voici donc, les 22 acteurs de ce match, accompagnés des trois arbitres. Ajaccio jouera en blanc, Monyou et Toulouse va jouer en violet, comme d'habitude. Bah, y a plus de sourires chez les parents et chez les supporters de se retrouver ici. Les joueurs sont quand même encore un petit peu tendus. Ouais, coup d'envoi qui va être donné par les Toulousains. Et c'est parti pour cette finale du championnat national U17. Si vous avez suivi le match contre Paris Saint-Germain, ils ont fait très mal. Et là, ce bon ballon, monstrueux, la belle sortie de Timothée Vielle. Monstrueux sur Nyombo. Il a fait le chemin inverse de Yacine Saïd. Noah Lamadi qui va tenter sa chance. Et on veille au grain du côté de Timothée Vielle. Solution pour Ricardo Coutinho. Il n'y a pas d'enjeu. Au deuxième poteau, il va être tout seul. Anthony Foss, s'il se met sur son gauche, non. Et derrière, Romain Martinez. Oh là 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 là, elle était belle cette occasion. Quand vous jouez devant, qu'on vous envoie comme ça là au casse-pipe. Noah Lamadi pour Nyombo. Allez Nyombo, cette fois-ci elle est belle. Elle est monstrueuse. Le voilà, on le disait, ce sont des artificiels, ils en sont capables, Monyou. Quelle beauté. Presque, hein, d'apparence un petit peu désorganisée, avec même Lamadi complètement sur le côté gauche. Et c'est la mi-temps sur ce score d'un but à zéro pour le TFC, pour les Pichounes de Toulouse. On l'a vu tout à l'heure, une très bonne sortie dans les airs de Timothée. Noah Lamadi, et voilà le deuxième. Le deuxième but sur ce second ballon de Noah Lamadi. Magnifique. Mchindra, le gardien de but à l'œuvre. Ah, dommage, ça, Ricardo Coutinho. Ouais, il en veut un peu à Lucas Coucou, là, qui considère qu'il n'a pas appelé le ballon. Et derrière, Mélandiou. Et bel arrêt, Timothée Vielle qui est en train de sauver son équipe. Timothée Vielle qui est en train de sauver son équipe, littéralement. Nyombo qui réussit à passer pour Camara. Nyombo ouais. Encore, et là il va pouvoir tirer sur son gauche. Il va pouvoir tirer sur son gauche. 3-0. Ah, l'armada toulousaine, l'armada offensive qui est en train de faire le boulot, Monyou. C'est Camara. Camara qui retravaille encore. Ils sont à 4, Camara. Non, mais il est fou. Oh là 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 là. Amadou Camara pour le 4 buts à 0. Les Pichounes de Toulouse qui enfoncent encore un petit peu plus le clou. Allez, il faut y aller les amis, tentez là. Celle-là pour sauver l'honneur au moins, ça serait bien. Récompenser vraiment cette belle saison. Ils auront la médaille, ils auront la breloque. Quoi qu'il arrive, ils auront fait cette finale. On ne pourra pas leur enlever. Et derrière, on l'attend direct chez Dorian Gustave. Dommage. Il a tiré. Bien tiré. Un peu loin pour ouais. Surprendre Mchindra. Voilà, et l'arbitre qui signe directement. Bravo! Victoire d'Olympique Toulouse Football Club. Le TFC est champion de France U17 2021-2022. Bravo U aux deux équipes et un grand bravo à la CA pour cette très belle finale. Pour tous ceux qui sont fans du TFC, hein, avec de très très bons community managers. Les ACistes, Ajaccio, bravo, bravo les gars, vraiment vous avez fait une super saison. Ouais, Dorian Gustave ouais. En tête, qui a fait lui aussi ce qu'il a pu aujourd'hui. Allez, chercher la médaille, allez, on va la prendre, elle mérite, celle-là fera partie de l'armoire à trophées, derrière on sera content de la voir. Allez, on espère hein, pour eux, pour tous ces garçons, qu'ils enlèveront un paquet des coupes. Ouais. Ce qui voudrait dire peut-être que voilà, notre équipe de France ou nos clubs réussiront en senior à lever des... À lever des trophées. Et donc le capitaine. Gaëtan Bacouche. Toulouse est donc champion de France.